Et voilà, toujours dans les couloirs de Patrimonia, c'est la dernière pour ce soir, mais demain on est encore là, bien évidemment, ne nous ratez pas. Et pour la dernière, vous allez voir, c'est passionnant, parce qu'au fond, on a parlé de marché aujourd'hui, on a parlé de risque, et vous avez vu, hein, les gérants, ils ne sont pas tous d'accord aujourd'hui, le risque plane sur Patrimonia, et l'optimisme aussi, hein, vous l'avez vu, mais voilà, on ne sait pas. Et on va se poser la question de que faire un peu en dehors des sentiers battus, en tout cas si on ne veut pas être dans les fonds traditionnels, soit longs, soit diversifiés. Et voilà, on va attendre l'annonce, bien évidemment, pour continuer ce débat. Nous vous invitons à consulter votre... Oui, ce n'est pas facile, il faut juste attendre. ...et vérifier le nom de la salle. Allez, c'est parti. Donc nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, on va partir de ma droite, Olivier Guillou, Ecofi Investissement. Je ne me suis pas trompé. Et aujourd'hui, il va nous parler de convertibles. Il a d'autres vies. Mais aujourd'hui, il nous parlera simplement de convertibles. Et puis Damien Delvaux, Mesquert Capital Partners, et lui va nous parler de private equity. C'est une classe d'actifs dont on parle aussi de plus en plus. Voilà, alors, comment on diversifie au fond, messieurs? Quelle part dans un patrimoine? Que doivent dire les CGP à leurs clients en la matière? Est-ce que ça a du sens aujourd'hui? Est-ce que c'est le bon moment? Enfin, on a un quart d'heure pour essayer de parler de tout ça. Olivier, on commence par vous. Les convertibles, au fond, j'ai envie de vous poser cette question toute bête. Est-ce que c'est le meilleur des deux mondes ou le pire? Il y a deux lectures. Et voilà. Il y a deux lectures. Il y a deux lectures. Si on se fie aux performances passées, les obligations convertibles ont délivré la meilleure performance corrigée du risque sur longue période. Et ce qui est exceptionnel et ce qui n'est pas forcément identifié comme tel par les investisseurs particuliers, c'est que ça a délivré une performance supérieure à celle des actions avec une volatilité deux fois ou trois fois moindre selon le... Mais oui, mais Olivier, si je puis me permettre, on a le côté actions qui sont toujours achetés un peu plus cher, mais au fond, on le compense par le côté obligataire. Mais on a eu cette chance de baisse des taux constante depuis 30 ans quasiment qui faisait que, eh bien, quand ça se passait mal au niveau des actions, on est rattrapé par cette baisse des taux et la valorisation, non? Aujourd'hui, on n'a plus ça, on n'a plus ce moteur. Bah, en fait, il faut voir... ce qui est important pour le marché des convertibles, c'est que c'est un marché qui est compliqué en termes d'appréhension, puisqu'il y a beaucoup de paramètres techniques qui rentrent dans... C'est un instrument hybride, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et l'intérêt de la convertible, c'est justement que vous avez une palette d'outils qui vous permettent de faire face aux conditions de marché qui changent. Et donc, ça, c'est justement... Contrairement à ce qui est perçu, et c'était le sens de votre question, oui, bien sûr. Je retourne votre proposition en disant au contraire, c'est une force, puisqu'on a la possibilité, contrairement aux actifs et notamment obligataires, qui ont pour le coup totalement bénéficié de la détente des taux, que ce soit sur le souverain, on l'a connu, et sur le crédit également. Donc aujourd'hui, une convertible, ça vous semble, et si vous êtes là, c'est pour en parler forcément, ça vous semble être une bonne solution dans cette problématique de crise en disant au fond, j'ai les deux côtés. J'ai le côté obligataire qui me protège sur un terme, si jamais j'aimerais, et j'ai le côté action, si les marchés se passent bien, je vais... c'est le bon moment. Alors, c'est un produit patrimonial, au fond. C'est un paradoxe, finalement, puisque si on regarde les performances passées, les résultats, ça répond totalement au cahier des charges de la clientèle patrimoniale, que ce soit en termes de performance, en termes de drawdown, en termes de volatilité. Et finalement, c'est un marché sur lequel ne sont pas à présent directement les investisseurs qui sont... Patrimoniaux. Alors, pourquoi c'est de votre faute? Vous ne leur en parlez pas assez? Probablement, il y a deux explications. C'est la complexité inhérente aux produits, dont le corollaire est finalement la difficulté pour les intermédiaires financiers que sont les CGP de traduire... D'expliquer aux clients. D'expliquer aux clients le fonctionnement de ces produits. Et puis, effectivement, il y a un problème. Fatalement, il y a un contenu technique. Donc, il y a un problème de vulgarisation. Et pour le coup, on est probablement responsable. Expliquer. Il faut faire du wording quand je suis vulgaire et que je parle en anglo-saxon. Allez, on y va à nous, Damien. Autre proposition au fond, on va alterner tous les deux, le private. Alors, avantage, inconvénient, bon, on parlera du fiscal, bien évidemment, mais si on reste juste sur la classe d'actifs, sur le produit en tant que tel, un de vos concurrents, confrères, amis, me disait récemment, en fait, aujourd'hui, le côté, c'est beaucoup trop cher. Donc, le private, c'est une bonne idée parce qu'on achète au bon prix. Est-ce que c'est ça? Globalement, c'est ça, effectivement. Le private equity, ça consiste à investir dans des sociétés non cotées. Alors, c'est un marché qui est assez large, qui a des segments, comme tout marché d'ailleurs. Vous avez le small cap, le mid cap, le large cap. Chez Mesquart Capital Partners, on travaille spécifiquement sur le segment du small et du mid. Effectivement, on a la possibilité, lorsqu'on a un bon deal flow, et je crois que c'est notre cas, de pouvoir trouver des sociétés à des prix
intéressant. Donc, je dirais, ça dépend d'une certaine manière du gérant et de son deal flow, de sa capacité à être en contact en permanence avec des sociétés qu'il peut acheter ou dans lesquelles il peut rentrer à des prix raisonnables. D'accord. Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit, au fond, c'est une bonne idée, nous, on fait du mandat autour de ça, et il y a des avantages fiscaux. Si je vous enlevais les avantages fiscaux, c'est ça qui m'intéresse, la cerise sur le gâteau. Si je l'enlève, cette cerise, est-ce que c'est un bon deal quand même ? Alors après, dans le private equity, vous avez plusieurs métiers, le capital développement et le capital transmission. Mmh. Capital transmission, là, je ne parle pas avec de sujets de fiscal. Hein. Capital transmission... Non, mais pour un investisseur, tout à je parle. Fait, hein. Pour un investisseur. Capital transmission, c'est des rendements de l'ordre de 15% net pour les souscripteurs. Expliquez-moi là, je ne comprends pas. Fait. Comment on a 15% de rendement ? Alors, dans notre équipe, nous avons un fonds de LBO, de capital transmission, aux alentours de 150 D'accord. millions d'euros sous gestion. Les membres de l'équipe ont généré sur les 20 dernières années, grâce à leurs investissements, un rendement de 15% net pour les souscripteurs. D'accord, c'était la grande époque des LBO. Ça existe encore ? Oui, ça existe encore, bien sûr. Toutes les taux sont pas chers. On a aujourd'hui de belles opérations dans le viseur, entre guillemets. Donc là, vous êtes en train de me dire, j'ai un produit génial qui peut faire 15%, enfin en tout cas dans le passé, ça l'a fait, et en plus j'ai des avantages fiscaux, on y reviendra. Mais ça, c'est vrai, aujourd'hui, ça existe. Alors, les 15% dont je vous parlais, c'était sur le segment du capital transmission, D'accord. sur lequel vous n'avez pas d'avantage fiscal. D'accord. Ensuite, vous avez le segment du capital développement, sur lequel vous avez des risques qui sont moindres et sur lequel vous pouvez avoir des rendements entre 6 et 7%. Si vous rajoutez à ça, effectivement, l'avantage fiscal, et c'est ce qui intervient sur le sujet du mandat ISF, vous arrivez à des rendements de 17%. Énorme. Mais ça, c'est l'avantage fiscal. Vous avez vu qu'il parlait de remettre en cause, d'ailleurs. C'est un peu de chose, cette histoire, non ? Alors, on en parle beaucoup, on entend beaucoup de choses. Nous, on est tous les jours en contact avec les sachants sur ces sujets-là. Pas d'inquiétude à ce stade. Très bien. On va revenir. Olivier, je vais rentrer dans le produit. Où est le risque ? J'entends dire le segment du convertible. Le risque, c'est la liquidité. C'est un petit marché, il y a un risque de liquidité. C'est une idée reçue qui... Ça y est, je fais une petite claque là. C'est une idée reçue, très bien. Qui existe en permanence, mais le sens a évolué. En fait, le marché des convertibles a connu une année terrible, c'était en 2008, où effectivement, pour le coup, on a eu une perte de liquidité énorme au sens naturel du terme. L'aspect liquidité aujourd'hui, il ne se diffuse pas de la même manière. Lors de la crise en 2008, on avait beaucoup d'intervenants qui étaient des hedge funds, et notamment avec des mécanismes de short des titres. D'accord. Et puis, il y avait également Lehman Brothers qui était très présent sur le marché. Très présent en termes de collatéral. Et donc, lorsqu'il a fait les liquidités, même avec un haircut de 50%, voilà. Donc, aujourd'hui, ça n'existe plus, ça ? Ben, aujourd'hui, le marché s'est retourné. C'est-à-dire, globalement, le marché est détenu à plus de 80% par des investisseurs directionnels, qui sont des investisseurs de long terme. Dans cet aspect liquidité, vous y voyez. Donc, plus long terme, plus sécur. Il n'existe plus. Voilà, inversement, qui ne spile pas. Voilà, exactement. Enfin, qui sont des investisseurs de long terme et plus généralement, majoritairement, des positions longues. Donc, cet aspect liquidité est là. Pour moi, il n'est pas en cause. Donc, c'est une idée reçue. Merci. Non, par contre, il y a un autre aspect qui joue, qui également couvre le même vocable liquidité, qui tient évidemment à la réglementation bancaire et à l'évolution de la réglementation bancaire, Bâle 3. Donc, effectivement, en termes d'intermédiation financière, il y a les banques et les comptes propres ont moins d'actifs. D'accord, en obligation. Donc elles sont moins présentes. Elles sont moins présentes. Et donc, il y a moins de personnes. Alors, au-delà de liquidité, on peut parler de fluidité du D'accord, marché, de fluidité bien. Des transactions qui sont un peu moins bonnes. D'accord. Mais, donc, ceci dit, ce n'est pas propre. Pourquoi les particuliers n'ont pas accès à ce marché ? Au fond, pourquoi ils ne s'y intéressent pas ? Parce qu'en réalité, ils n'y ont pas accès en direct. Hein, je ne peux pas acheter des convertibles tout seul comme un grand, c'est difficile. On pourrait le faire. On pourrait des tickets qui ne sont pas accessibles pour moi. Pour un investisseur moyen, non ? Par le passé, il y avait des cotations sur le CAC. Parce qu'au fond, je les garderais, mes convertibles, non ? Non, mais je pense que faire son propre marché sur le marché des convertibles, c'est une très très mauvaise idée. Parce que décidément, je dis des bêtises ce soir. Non, mais justement, le but, c'est de lever, c'est de convaincre sur ces aspects-là. Je pense que c'est important d'avoir recours à des spécialistes, parce qu'il y a une notion d'accès au marché, D'accord. donc de qualité de l'information, disais, bien de technicité. Bien sûr. Et puis surtout, l'élément fondamental, c'est que c'est un marché qui n'est pas stable dans le temps.
ni sur les entreprises qui appartiennent à cet univers, puisque des entreprises, dans la vie d'une entreprise, les financements peuvent être soit des financements de restructuration, soit des financements de croissance. On me dit souvent que les directeurs financiers mettent des convertibles quand ils pensent que le cours est très élevé. Bien sûr, un émetteur convertible donc c'est pas une bonne affaire, est plutôt enclin à le faire si son cours est élevé ou si la vol du titre est élevé également. Il est plutôt vendeur de vol. Mais ce n'est pas une bonne affaire, c'est-à-dire que après, dans l'ensemble de l'offre que vous avez en termes d'émission, c'est justement l'attrait d'avoir recours à un spécialiste pour faire son marché. Et très bien. Donc j'ai intérêt à y aller par un fonds, tout seul, c'est même pas la tour. Moi, je n'avais même pas l'idée d'y aller. Je pense que c'est nécessaire d'intervenir. Je reviens vers vous, on finira par le wording. Pourquoi CGP doit faire ça? Et on finira aussi ensemble tout à l'heure. Damien, comment vous faites, vous, alors? Un mandat chez vous, ça marche comment? Combien de sociétés? Qu'est-ce que vous me proposez? Et après, on dira comment on argumente. Mais qu'est-ce que vous me proposez d'abord? Dans un mandat, il y a combien de sociétés? Alors, dans un mandat ISF, alors, au titre du mois de juin de cette année, de la campagne, on a levé 16 millions d'euros. On a investi dans à peu près 10 sociétés. D'accord. C'est des tickets sympas. C'est du small, du mid, hein? Là, on est sur plutôt du small. Small. On considère que c'est du small avec ces tickets-là. Donc, techniquement, en fait, et juridiquement, on fait investir directement les souscripteurs dans les sociétés. Ouais. Donc, ils ont tout l'avantage fiscal. Tout à fait, ce qui leur permet de bénéficier d'avantage fiscal. Mais c'est nous qui gérons l'opération pour eux, qui géreront le suivi de la ligne pour eux et qui sortons pour leur permettre de toucher le rendement. Comment vous choisissez vos sociétés? Mescart, c'est une maison qui connaît bien le small et le mid. Oui. Donc comment vous choisissez? Moi, comment je peux faire confiance? Vous me dites, je vous donne un mandat, mais enfin, on ne se connaît pas. Ouais. Vous me dites 16 sociétés, c'est ça? Ou 10 sociétés? 10 sociétés ça pour 16 millions. Ça ne fait pas beaucoup. Ce n'est pas une grande diversification. Donc comment... Donnez-moi les arguments forts pour que je vous fasse confiance sur le sujet. Nous, sur le mandat ISF, on a adopté une stratégie relativement prudente qui consiste à investir sur des sociétés qui existent déjà depuis plusieurs années, qui ont un historique de croissance, un historique de rentabilité, qui sont positionnés sur des secteurs non cycliques, des secteurs résilients, qui n'ont pas vocation à connaître de ruptures particulières. Je pense à une rupture de marché, à une rupture techno, une rupture réglementaire, et qui, idéalement, disposent d'actifs sous-jacents, type fonds de commerce ou immobilier. Si vous regardez le portefeuille... Un fonds de commerce, ça vaut que si le business marche. Imaginez que le business baisse, ça ne vaut pas grand-chose, un fonds de commerce. Tout à fait, mais vous prenez un business dans l'hôtellerie, par exemple. On voit aujourd'hui des hôtels qui... D'accord, du chiffre d'affaires, c'est spécifique, j'entends. Pas de rentabilité, qui pourtant se vendent 3 ou 4 fois chiffre d'affaires. J'entends, et c'est la même chose d'ailleurs pour les gros sujets de restauration, où il y a des très gros restaurants qui font 4 ou 5 millions d'euros de chiffre, qui se vendent à des prix... La restauration souffre en ce moment. Ça dépend. Nous, on est évidemment très vigilants sur ces sujets-là. On ne sélectionne que les emplacements premium, avec des opérateurs qui ont pignon sur eux. Alors, donnez-moi un exemple de ce que vous avez fait en juin. Quel type de société? Ça va intéresser tout le monde, ça. Ouais, je peux vous donner plusieurs exemples. Très bien. Le premier, c'est une société qui s'appelle Jolival, qui fait de l'eau de source, qui est basée à Angoulême, qui, pour la petite histoire, est dirigée par Renaud Dutreil, l'ancien ministre des PME, tout à fait. je croyais qu'il était parti aux USA s'occuper d'LVMH, non? Alors, Il est revenu. Renaud Dutreil est revenu. Il est revenu et c'est devenu un véritable entrepreneur. D'accord. C'est une société qui fait 4 millions de chiffres, pratiquement 700 000 de BE, donc une petite, effectivement, mais une société très saine, très belle société. Vous avez mis combien? Là, on a mis 1,5 million pour lui permettre de pour faire... Pour combien du capital? On est minoritaire. D'accord. 4 millions, mais c'est pour ça, je voulais voir combien vous valorisiez. Donc, c'est une valo de 4 millions à peu près. C'est plutôt une valo de... Alors, je n'ai pas forcément envie de parler de valo. Excusez-moi, mais c'est juste pour avoir une idée. Voilà. Nous, on sait être minoritaire et majoritaire. Et l'eau, voilà. Alors, l'eau, c'est un business, si vous voulez, qui fonctionne bien, dans lequel vous n'allez pas connaître de rupture particulière. Mm-hmm. J'en parlais tout à l'heure. Mm-hmm. Donc, la société est saine, fait ses 4 ou 5% de croissance organique par an, ce qui nous va bien. Et un autre exemple, on accompagne le déploiement de Burger King en France. Ah, ça c'est bien, si vous allez manger un Whopper un jour... Il n'y en a plus à Saint-Lazare, ils ont fermé un incendie, mais autrement c'était bien. Oui. Voilà, parce que ça marchait trop bien et l'extraction était trop demandée. Et si vous allez sûr, le Whopper, tout le monde en a envie, évidemment. Exactement. Bon, on est sur des bons business. D'accord, Olivier Bertrand. Tout à fait. C'est le groupe Olivier Bertrand qui développe Burger King en France. Donc vous avez accompagné Olivier Bertrand dans le développement de... Tout à fait, on a choisi des franchisés à très haut potentiel qui ont projet d'ouvrir entre 5 et 10 restaurants ça sur leur zone. Ça vaut combien Burger King à monter? 1,5 million à peu près. D'accord. Et vous mettez? Et nous, on met 1 million à peu près. D'accord, très bien. On va revenir sur le wording. Allez, Olivier, on va sur le wording.
Vous me l'avez dit, et ça, je suis d'accord avec vous. Le problème des convertibles, c'est qu'on a du mal à l'expliquer. Mais je vous attends. Expliquez-moi comment je dois expliquer. Mais avec des mots de monsieur tout le monde, hein, Madame Michu. Hein. Madame Michu veut du convertible, allez-y. Là, une obligation convertible, c'est une obligation d'entreprise qui s'y finance sur les marchés. Deux cas de figure. L'action monte, les choses se passent bien. Mm-hmm. À l'arrivée, vous avez des actions. Mm-hmm. L'autre cas de figure, l'action baisse. Ben, vous avez une valeur amortissable et donc vous êtes remboursé, sauf si évidemment l'entreprise connaît des graves difficultés, mais donc vous avez un statut obligataire protégé. D'accord. Et donc l'alternative, en fait, il est sur soit gagner beaucoup d'argent si l'action part à la hausse. Ou protéger son capital. Protéger son capital avec un coût limité à l'absence d'opportunité d'avoir investi dans un titre qui aurait offert un meilleur. Je l'aurais pris dans l'autre sens, c'est marrant. Si j'avais parlé à Mme Michu, je lui aurais dit, c'est d'abord protéger votre capital, et puis, si ça marche bien, gagner beaucoup d'argent, non ? C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le mettre ? Oui, mais... Mme Michu, elle veut protéger son capital. Hein. J'ai toujours pour habitude de dire, si on veut de la performance, il faut prendre du risque. Donc, si on conseille d'investir sur le marché des obligations convertibles, particulièrement dans cet environnement de taux bas, il faut avoir une vue positive sur les marchés actions. Donc, sinon, sur la performance. Pour avoir une performance absolue positive. Vous, très bien. Dans le cas contraire, vous pourrez avoir une performance relative favorable, mais vous ne pourrez pas gagner d'argent. Alors rappelez-moi, votre fonds, il s'appelle ? Donc le fonds s'appelle Ecofi Convertible Euro. Voilà, une maison très sérieuse, Ecofi. Hein, très, donc, pas show-off, mais très sérieuse, on peut le alors, dire. Alors moi, je le gère depuis plus de 20 ans, et c'est un fonds qui existe, qui a pris la suite d'une SICAV qui a été créée en 1984. Ah ouais, donc il y a une longue expérience. Il n'y avait pas beaucoup de SICAV. Hein. C'était une des premières sur les convertibles. Et donc il y a une longue tradition, une longue expertise sur la classe d'actifs. Et donc l'encours est à plus de 130 millions. Et depuis le début de l'année, la performance est tout à fait exceptionnelle puisqu'elle est à 8,5%. D'accord. Tiens, je suis CGP, donc je vais aller voir Madame Michu. Combien je dois mettre de votre fonds dans son allocation d'actifs ? Vous me diriez combien aujourd'hui ? Au sein des Ecofi, on a une offre patrimoine dans laquelle on a inséré une part d'actifs, une possibilité d'investir dans les obligations convertibles. On a ouvert à 20% la possibilité d'investir dans les convertibles. Je crois que c'est une bonne poche. D'accord. Actuellement... Donc dans la partie, au fond, ce qu'on appelle UC dans le métier, si Mme Michu ne va pas comprendre, mais dans la partie allocation, effectivement, vous me dites 20% sur les convertibles, c'est bien ? C'est beaucoup quand même, non ? Non, c'est pas beaucoup. Ah, c'est vraiment un positionnement à moyen terme qui est conforme. D'accord. Actuellement, pour vous donner sur un fonds équilibre, actuellement, on serait à 39% compte tenu de la baisse du marché. Très bien. Donc ce qu'il faut voir, c'est que les tensions sur les marchés sont plutôt favorables pour investir en obligations. Parfait, merci Olivier. Damien, on finit avec vous. Allez, faites-moi le pitch. Pourquoi il faut investir ? L'avantage fiscal, je l'ai compris. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a vraiment du sens, en termes de risque, au fond ? Parce que les gens parlent de risque aujourd'hui. Est-ce que d'aller sur du private equity, c'est plus risqué ou moins risqué d'aller sur les marchés ? J'enlève la liquidité, effectivement, qui est plus complexe, mais on va y venir, mais le risque. Bah, c'est toujours pareil. J'obéis, moi aussi, au couple risque-rendement. Mm-hmm. On est en capacité à offrir du 15% net. En tout cas, on fait tout pour, sur des sujets de capital transmission de fonds de LBO avec effectivement un risque réel mais qu'on essaie de mitiger. Ça fait combien de défauts par exemple sur 10 vous préparez, vous imaginez combien de défauts, combien de pertes sur 10 lignes il y aura des faillites ? Non. Vous ne le pensez pas ? Non. Vous ne le modélisez pas ? On fait tout pour. D'accord. En tout cas, moi, les 15% dont je vous parle, c'est la performance historique sur nos investissements. Si maintenant vous êtes sur un niveau de risque que vous voulez plus limité, il faut alors à ce moment-là basculer sur le capital développement dans lequel vous investissez donc, sur des sociétés matures, solides, qui, comme je le disais, font leurs 5-10% de croissance. 6 à 7, exactement. D'accord. Vous me rappelez alors le nom de votre offre, comment on fait ? On veut vous trouver, on appelle chez Mescart, on vous demande ? Oui, vous pouvez faire ça, ou sinon vous tapez le Cercle Mescart. Le Cercle Mescart. Tout à fait, sur Internet, et vous avez toutes les informations. Le ticket de souscription commence à 5 000 euros. 5 000 euros, pour les deux offres, quel que soit... Non, ça c'est pour l'offre du Cercle Mescart, du mandat ISF. D'accord. Et on rappelle aussi, mais ça c'est un autre sujet fiscal, qu'il y a des types d'investissements comme ça qui permettent aussi des montages fiscaux, notamment pour des entrepreneurs qui voudraient réinvestir par exemple. Ça c'est une autre histoire, mais il faut vous voir pour ça.
Exactement, mais je vais en dire quelques mots, parce rapidement, que c'est très rapidement, c'est une de nos grosses ambitions. Mmh. Effectivement, si vous êtes un dirigeant et que vous cédez votre entreprise, vous pouvez potentiellement être fortement fiscalisé, sauf si vous réinvestissez 50% du produit de cession dans des entreprises éligibles. Et notre job, c'est éligible. Ouais, tout à fait, c'est de mettre à disposition ces solutions-là. Très bien, bah, merci beaucoup. Alors, le cercle Mescar. Sur .com. .com. Ecofi, on connaît le site. Hein, oui. Ecofi, tout simple, je me tourne vers la communication. Ecofi Investissement, c'est quoi le site? Allez-y. Ecofi.fr. Ecofi.fr. Ah, il n'y a pas le micro. Sans micro. Ecofi.fr. Très bien. Donc, une vraie alternative. Tiens, vous en mettriez combien si ce n'était pas juste du fiscal? Vous en mettriez combien dans une allocation d'actifs du private equity? Toujours pareil, risque-rendement. Si c'est votre patrimoine, vous en mettriez combien? Moi, j'en mettrais une partie défensive et une partie un peu plus agressive. En pourcentage de votre patrimoine? Je dirais 30%. Ah, pas mal, très bien. Écoutez, on va vous suivre avec attention et j'espère à très bientôt sur Club Patrimoine. Merci. Merci bon patrimonia. Pierre.